Francesco Marino di Teana est né en 1920 dans le sud de l'Italie, à Teana, comme son nom le souligne. Aujourd'hui, il vit à la campagne près de Paris, dans un vaste atelier construit de ses mains. Il y a du bâtisseur et de l'architecte chez ce sculpteur, du poète chez ce scientifique épris de mathématiques et de physique. Marino di Teana, vous avez un nom italien, évidemment, mais qui a une résonance un peu étrange du fait que vous avez accolé à votre nom le nom du village où vous êtes né en 1920. Pourquoi est-ce que vous avez voulu souligner cette filiation géographique plutôt que familiale? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de prendre aussi le nom du village où vous êtes né? Mais j'ai choisi ce nom plutôt pour rendre hommage à mon village. Pourquoi? Parce que justement, c'était un village que quand même il a donné beaucoup d'hommes, d'hommes surtout, plus que de femmes, parce qu'on était des paysans, qui devenaient même des grands scientifiques. Et puis ils partaient dans le nord ou dans l'Italie centrale, ils ne se souvenaient jamais plus de notre village. Pourquoi? Parce que justement on avait comme une espèce de complexe. On avait honte d'être de ce pays. Un petit village dans le sud de l'Italie. C'est celui-là. On est dans la Lucanie, c'est-à-dire c'est sur des montagnes, c'est les Apennins, mais on est quand même des villages qu'on est à 1000 mètres, à 1500, 800. Vous voyez, donc dans des villages de montagne qui sont vraiment merveilleux, mais qu'on avait créé un certain complexe, et c'est pour cela que justement, quand je vois ces gens qui... Il devenait quelqu'un extraordinaire et qu'on ne se souvenait jamais plus de ce village, ça me faisait de la peine, mais c'était intuitivement. Donc par conséquent, j'en ai pris conscience quand j'étais en Argentine, que j'ai commencé vraiment à lire l'histoire, une chose et puis l'autre, et je me suis dit, mais c'est vraiment triste celui-là, donc si un jour je suis quelqu'un que j'arrive à être un petit grain de sable dans ce monde, eh bien je dois rendre hommage à mon village et à tous ces gens qui, quand même, ils ont une fonction très belle dans la vie. Quand vous étiez tout jeune, je parle de 5-6 ans, vous étiez berger et vous avez vu, là on voit déjà l'artiste qui naît, des cailloux dans les rivières qui vous intéressaient, qui attiraient votre attention, donc déjà des formes qui sont quelquefois façonnées par le courant. Oui, et ça, vous avez raison, justement, de dire cela, parce que vous avez... la nature, elle est prodigieuse. Et par conséquent, l'enfant, quand il se réveille, et puis surtout nous, qui est déjà 6 ans, 5 ans et demi déjà, on allait dans les campagnes à travailler avec des gens grands, parce qu'on commençait de tout petit. Et puis même, on commençait à apprendre les métiers à 7 ans, 8 ans. Déjà, on était dans des chantiers, c'était une très très belle éducation. À un moment donné, cette éducation, il ressemblait un petit peu à trop fort pour les gosses, mais je trouve qu'elle était vraiment prodigieuse. Donc, c'est-à-dire que toutes ces montagnes et la vie quotidienne, les arbres, la nature, on faisait partie. Et c'est là il vous donnait quelque chose dans la conscience qui ne donne pas la cité très souvent. Et c'est là... Donc, quand vous avez un caillou, vous voyez un arbre, on ne comprend rien du tout, mais pourtant, il y a quelque chose qu'on sent. Et c'est cela qui fait l'homme différent, vraiment, de l'homme de l'agglomérat. Vous avez commencé comme un artisan, donc la matière, les outils étaient comme le prolongement de votre main et de votre être. Et ça donne une approche, au départ, dans la vie surtout, qui doit être différente de celle d'un artiste qui n'a vu que les beaux-arts. Je crois qu'elle est très différente, justement, parce que quand vous avez un outil dans les mains, comme vous dites, vous avez une autre conscience. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'outil, mais c'est la matière qui forge l'homme. Vous avez surtout dans la maçonnerie qui se faisait avant, c'était un art extraordinaire. Pourquoi? Parce que justement, dans la mouture qu'on appelle, dans le battement qu'on appelle, donc vous avez des problèmes tout le temps. Et c'est au maçon de résoudre énormément de choses que l'architecte, dans le fond, il ne pouvait pas les résoudre. Et c'est pour cela, quand je parle justement qu'il brûlait, qu'il a pu faire la coupole, parce qu'à l'époque, c'était, plus que des artistes, c'était des artisans.
Il travaillait, commençait à apprendre le métier dans le bâtiment, et c'était là qu'on apprenait l'architecture, les mathématiques et des quantités de choses. Et depuis qu'on a quitté le chantier, c'est là que je crois que l'art, il s'affaiblit. Mais quand c'était vraiment que vous aviez la matière dans les mains tous les jours, il vous donnait à la fois une pratique, il vous donnait une expérience exceptionnelle, et à la fois, il vous donnait la spiritualité même d'aller plus loin de ce qu'on croit. À force de bien connaître la matière. À force de bien connaître. Parce que c'est là qui vous donne justement la vie. Chaque création de Marino est d'abord exécutée en miniature, tenant au creux d'une main, pour devenir ensuite monumentale, comme cette sculpture symbolisant la Libertà à Fontenay-sous-Bois. Le maçon que vous étiez était déjà le bâtisseur que vous êtes devenu. Vous êtes parti à 15 ans en Argentine rejoindre votre père. Et vous avez travaillé dans le bâtiment en Argentine. Mais tout à coup, ce besoin impératif d'apprendre. Vous savez, là, c'est aussi un petit peu, je crois, qui naît dans l'être, le fait du savoir. J'étais quelqu'un de tout jeune, en assoiffé, mais total de savoir. J'avais une passion pour avoir des connaissances. Parce que peut-être c'était le complexe que je n'avais pas pu avoir de petit. Mais j'ai découvert, comme on dit à l'âge, la première fois que j'ai découvert la mer, c'était à 15 ans. Je n'avais jamais vu. Et c'est sur toutes ces choses qui vous donnent une illusion totalement différente. Et alors, quand j'ai commencé à découvrir les livres à 15 ans, vraiment, que j'ai commencé à connaître l'histoire de l'être humain, mais ça m'a bouleversé. Et c'est là qu'il est né, ou il était dans moi, mais là, il est né carrément, ce fait de vouloir, de vouloir, de vouloir. Et alors, c'est là que j'ai commencé à lire. Et donc, j'ai travaillé pendant 8 heures dans le bâtiment, et j'ai travaillé à l'école, parce qu'au bout de 7 jours que j'étais en Argentine, j'ai voulu aller à l'école pour... Et donc, par conséquent, je travaillais jusqu'à minuit, depuis 7 heures à minuit à l'école, et de 7-8 heures du matin à 5 heures du soir dans le bâtiment. Et là, il m'a donné vraiment une force en moi énorme. Il m'a stimulé chaque fois plus, parce que les connaissances, ils vous mènent en avant. Et la soif d'autres connaissances. Et exactement. Alors, vous avez comme une sorte de stimule et vous allez jusqu'à... Il vous traîne ce corps. Et c'était des études de mathématiques, de physique, et puis la métaphysique vous a intéressé. Donc, toutes les grandes questions de l'homme vous ont passionné. Vous savez, vraiment là, j'étais, comme je vous dis, un passionné des sciences, de l'art, de la nature. À travers la nature, j'ai découvert énormément de belles choses. Et les hommes vraiment intelligents, ils m'ont vraiment donné énormément. C'est pour cela que j'étais un passionné des grandes savantes, des grandes artistes, des lettres toutes courtes, mais lettres qui peuvent me donner quelque chose. Vraiment, pour moi, c'était la passion. Et j'espère de la garder tout le temps pour aller toujours en avant. Je ne voudrais pas mourir dans le lit, mais debout, comme il disait Vespasien.